Je n'accuse pas Bataza, je ne blâme pas Bataza. Ce sont ces femmes elles-mêmes, par leur vice, qui se sont emportées, qui se sont laissées filmer par Bataza. Ce sont ces femmes-là qui sont le problème. Attends, aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux, je ne sais pas si c'est vrai, je n'étais pas là-bas, qu'il y a une qui s'est suicidée. Vrai ou faux? La question reste posée. Bataza n'a rien Ça, fait. qui s'est suicidé là, c'est On s'est emporté par l'argent. Sinon, Bataza sont jolis, sont mignons là. Nana, c'est ouf. Nana, excuse-moi. C'est que c'est suicidé là, c'est au Cameroun. C'est pas là-bas. C'est au Cameroun. Ah, d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'affirme pas. C'est parce que je n'ai pas vu. Regardez bien la photo que je viens de mettre. Oxymon, j'ai vu. Non, vieux, c'est au Cameroun. Hein? Non, laisse-moi t'expliquer. La dame en question là, Bataza, vous avez fait ça. Elle est dans le bureau de Bataza. C'est elle qui s'est suicidée. C'est elle qui s'est gâ. Oxymo, va bien effectuer les recherches, c'est pas au Cameroun. J'ai mon informateur depuis là-bas. J'ai la vidéo où il y a la même image de la dame qui est décédée là. Voilà. C'est au Cameroun. On dit qu'elle s'est gâ. Voilà. Aujourd'hui, okay. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Attends. Monsieur Dosso, on aime tous l'argent. Moi-même, Nana, là, j'aime l'argent. Mais il faut savoir raison garder. Il y a des choses là. Aujourd'hui, les choses qui font sur les réseaux là, ça va nous poursuivre pendant 30 ans, pendant 40 ans, tant que nous sommes en vie là. Ça sort. Et même si nous ne sommes plus en vie, ça va toujours sortir pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et autres. Donc, il y a des comportements là. Moi, je ne peux pas partir avec un homme, sachant bien qu'il est en train de me filmer. Je ne vais pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Bon, c'était mon humble avis. Donc, je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Le boulot nous attend. Courage à toi. Merci. Jofferson. Oui, viens père. Bonjour. Ah, c'est comment? C'est comme ça, je suis là. T'es quoi, quoi? On est pas. Eh, hey, c'est quoi? Alors, fais-moi descendre, moi. Je reviens. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes mes soeurs. Alors, de toute façon, moi, c'était par rapport à Tata Mama que j'étais montée. Oui. Puisqu'elle était en train de dire que dans le foyer, il faut tout supporter. C'est-à-dire, on dit le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et en même temps, elle nous dit qu'elle a divorcé. Bon, c'est pour le même sujet. Hein, comme elle a parlé de ça, c'est pour ça que j'étais montée. Pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle a divorcé. Alors si c'est pour le meilleur et pour le pire. Si il a pas un bon comportement. Ma chérie. Dieu. Ma chérie, quand on dit pour le meilleur, vas-y. Attends, attends, attendez, vas-y. Attendez, mesdames, s'il vous plaît, attendez. Non, Dieu, attends, Optimo, il faut plus montrer. Non, attends, je te dis quelque chose, il ne faut plus montrer vidéo là, parce qu'ils m'ont signalé ça. Ça veut dire qu'ils m'ont fait des choses. Ok, merci. Oui, ma chérie, vas-y. Oui. Non, je voulais comprendre, parce que de toute façon, nous tous, on a amené à se marier un jour, donc voilà, je voulais que tu m'éclairies. Bon, quand le sujet là, ça veut dire que c'est un problème de sexe, on parle. Le mari peut avoir d'autres comportements hors le sexe. Moi, c'est pas pour le sexe que j'ai divorcé mon mari. C'est problème de comportement, j'ai bien dit. Est-ce que vous m'avez écouté? Mawa, je peux Oui, mais le comportement, maman, ça peut amener au sexe. C'est pas pour le sexe. Jamais, jamais, ma chérie, jamais. Les filles, attendez, s'il vous plaît, attendez. Oui. Dosso, donne-moi deux minutes, je suis au bureau là, rapidement. Oui. Mawa. Namu. Écoute-moi. Oui. Le live qu'on a fait le matin là, c'est pas sur ta vie privée. Non, c'est pas que j'ai une vie privée. Non, écoute-moi. Oui. Tu n'es pas obligé de répondre à une question qui concerne ta vie privée, même si c'est toi-même qui en as parlé. Ok, j'ai compris. Je sais de quoi je parle, c'est une chose. Ta vie privée est là, on s'en fout de ça. Il y a un sujet qui est là qui est Bataza. Est-ce que ce que j'ai dit là, tu as compris ou quoi?
Je fais ça. Bon, bref, je oui, le problème là. Donc, ma chérie. Oui. Donc, vous trouvez normal que les femmes vont coucher avec d'autres hommes et puis se faire filmer. Vous trouvez ça normal? Non, j'ai pas dit parce que qu'elles sont pas satisfaites à la maison. Vous trouvez ça normal? J'ai pas dit que je trouvais ça normal. Hein. Moi, personnellement, je ne vais pas me faire filmer. J'ai pas dit que moi, ça que, normal. Moi, ce que je vais dire c'est aux femmes... Parce que vous avez parlé du pire et du meilleur, c'est pour ça que moi, ce que je vais dire à notre soeur, on n'a qu'à se donner des conseils d'arrêter ça. Parce que c'est nous tous qui sommes coupables. Parce que quand une femme fait une bêtise, c'est toutes les femmes en va accuser. Donc, donnons leur conseil, on n'a qu'à arrêter. Mobilisons les femmes d'arrêter de faire ce genre de pratique, c'est pas bien pour nous les femmes. Moi, je vais leur demander pardon à Dosso de ne pas montrer les vidéos à quelqu'un parce que c'est pas bien. C'est la nudité de ses soeurs africaines. Parce que quand vous mettez ça, il y a d'autres personnes. Vous voyez comme avant, hier, on parlait des Libanais. Mais ça cause ce genre de pratique qu'on nous fait, on nous respecte pas, maman et ma soeur. Vous savez ça? Oui. Les pauvres blancs, là, quand ils font ça, ils font entre eux. Est-ce qu'on a déjà vu eux la nudité traîner sur les réseaux sociaux? Mais nous sommes des Africains. Même les policiers qu'ils ont mis ça là, c'est pas bien. Ils ont des sœurs. Ce qui arrive à Nac, le clos va arriver à Nac, la clé un jour. Faut jamais montrer la nudité de quelqu'un, c'est pas bien. Rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi deux minutes. Joe Fashion, Mateur. Joe Fashion, pardon, donne-moi deux minutes. Donnez-moi deux minutes. Laissez Black intervenir parce qu'il est au travail, là, s'il vous plaît. Laissez. Voilà, je suis au bureau, là, rapidement. Donnez-moi. Alors, Dosso, l'affaire. S'il vous plaît, je parle vite, je descends, je m'en vais. Mawa, pardon. Mawa, pardon. Voilà, tes conseils sont propres. Mais je vais vous expliquer. Au fait, c'est simple. Le monsieur, là, on l'a arrêté. Non, tu peux continuer. J'ai dit, Dosso, au fait, le monsieur là, d'accord, on l'a soupçonné pour détournement de fonds. Est-ce que tu vois? Donc, lors de la perquisition chez lui, ils ont embarqué ses affaires, tout ce qui était électronique pour aller fouiller et avoir des indices dedans. Est-ce que tu vois? Maintenant, il paraît qu'ils ont remis ses affaires à son frère. Mawa, ton micro, s'il te plaît. Ok, je vais fermer. Excuse-moi. Merci beaucoup, Mawa. Merci. Alors, Dosso, donc, quand ils ont remis ses affaires à son frère maintenant a regardé dans son téléphone. Et ils ont dit que quand le frère a regardé dans les téléphones, il a vu les vidéos. Quand il est tombé sur les vidéos, il a vu une vidéo où le Moro était en train de bouer sa femme, c'est-à-dire sa belle-sœur. Black. Tu vois, non? Black, tu peux m'écouter? Attends. Black, il faut m'écouter. Dosso, attends, il a fini. Black, il faut m'écouter. C'est pas la vraie question. C'est politique. Black, il faut m'écouter. Non, Dosso, j'arrive non, dessus. Non, Black, c'est ce que tu dis là, moi je sais. Mais cette thèse-là ne tient pas parce qu'elle est purement politique. Parce qu'il ne faut pas faire endosser la responsabilité à la police nationale équato-guinéenne. Non, c'est pas la police. C'est pas la police. C'est toi qui donne là. Il faut qu'on fasse croire aux gens que c'est son frère qui a fait fuiter la vidéo. C'est archi faux. C'est ça. Mais Black, je te dis que ça ne tient pas. Je dis, sur X là, toutes les recherches que j'ai là, c'est ça. Il faut laisser X. J'ai dit, moi, je suis en collaboration directe avec le petit de Balthazar. Je suis en collaboration directe. Le petit, carrément. Non, faut le présenter, pas nous-mêmes en enfant du gars. Ça ne tient pas. Black, ça ne tient pas. C'est pas son frère qui a fait fuiter les vidéos. C'est la police nationale équato-guinéenne qui a fait fuiter les vidéos au profit du vice-président équato-guinéen. J'ai expliqué, tu ne t'es pas au début de ma vidéo, j'ai tout expliqué. Ok. Bon, je poursuis mes recherches. Je vous laisse, je reviens. Ok. Moi, vas-y, je t'écoute. Moi, je dis, les filles, on n'a qu'à se conseiller. L'homme d'Abazak, là, s'il veut, il n'a qu'à mourir 100 000 femmes. Il s'en baille les couilles, c'est un homme. Mais nous, là, une fois que même si c'était une fille, là, la honte que cette fille, elle a prié, là, c'est pas bien. Donnons-nous conseil. Celles qui viennent dire que c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites au lit, c'est pourquoi elles font ça. C'est du n'importe quoi, ma chérie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Même.
c'est une dame qui tombe à ce qu'on donne le conseil. Bah oui. Mais comme en femme de ministre, une femme de ministre, tu fais ce genre de pratique. Et hey, ça là, son mari même là. C'est pas elle qui a fait du mal, hein. C'est à son mari et à ses enfants qu'elle a fait du mal. Les petits, les enfants des ministres, qu'est-ce qu'ils peuvent dire devant leurs amis encore? C'est fini. Même celle qui s'est suicidée, elle n'a qu'à l'enfer, on s'en fout. On s'en fout. Comment vous pouvez humilier les femmes comme ça? En tout cas, on s'en fout. C'est une humiliation pour nous. Filmer, moi, je m'en fous. Elle est mourir. Dieu n'a qu'à la mettre où il veut, mais moi, je m'en fous. Bah oui, tout à fait. Parce que c'est nous tous, elles ont humilié, ma soeur. Mais maman, quand elle faisait ça là, elle savait très bien, elle était filmée. Elle m'a laissé filmer là, c'est pourquoi. Quand je vois mes soeurs viennent parler pour dire que non. Ils ont l'argent. Je vais te donner une confidence aujourd'hui. Il y a des femmes là même, quand elles sont enceintes, là, elles ne couchent plus. Elles ne veulent plus coucher jusqu'à l'accouchement. Tu sais, vous savez ça aussi? Ça c'est mon cas. Moi, vous savez ça aussi, les femmes qui viennent mentir pour dire qu'elles sont enceintes, là, elles ont l'envie là. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Moi-même, la maman, même pour dire qu'il ne faut pas tirer, je ne vais pas. Tout le temps, il a accouché par césarienne. Elle m'a dit, ma fille, elle dit, je m'en fous. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Moi, personnellement, la paix, ils sont enceintes. Oui. C'est des mensonges, ma soeur. Ça n'a même pas de sens ce qu'elles sont en train de raconter. On va passer la parole à Zemmour. Zemmour, bonjour. Ou bien Zemmour, bien quoi là? C'est Zemmour. Jamais, tu es là? Cause jamais. Jamais. Oui, je suis là. Ouais, Zabel, on dit quoi? Dis-nous. Ok. Bonjour, depuis le Gabon, bonjour, je vous suis. En fait, pour moi, il y a deux choses, il y a deux actes condamnables, en fait. Tu peux tromper ton mari, mais de là à te faire filmer, à être pour qu'on te filme. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui même qui connaissent pas même un peu ce qu'on appelle le féminisme en fait. C'est un mouvement où les femmes, ça a commencé en Europe, comme vous le savez toujours, et nos femmes, elles prennent toujours les choses qui viennent de l'Europe sans réfléchir, sans... Putain, j'entends depuis là, je comprends rien. Attendez, j'ai un problème là. Ça tombe depuis là, je comprends rien du tout, honnêtement. Ouais. Oh, je suis signalé. Ceux qui sont en bas, est-ce que vous pourriez tapoter, s'il vous plaît? Les 412 personnes, vous pourriez tapoter? Ceux qui sont en bas, tapoter. Les gens tombent depuis là. Je vais descendre quand ta vidéo a signalé. Hein. Oui. J'ai reçu trop de signalements. Ah. On a rien dit de mauvais. Non. Oui, ceux qui sont en bas, tapoter. Ceux qui sont en haut, partager. Ceux qui sont en bas, tapoter. Et ceux qui sont en haut, partager. Voilà pourquoi j'insiste chaque fois sur les partages, sur les tapotages. Mais toi, tu dois tapoter aussi ou pas? Moi, je dois juste. Non, tu dois partager. Toi, tu tapotes pas parce que tu es bien en haut. Tu tapotes pas. Toi, tu partages. Okay. Maintenant, ceux qui sont en bas, là, vous tapotez. Ah ouais. Vous voyez, les gens tombent là, ça tombe là. Ça tombe seulement. Jonas, tu es là? Oui. Nous deux, c'est ici, là. Jonas, il faut partager d'abord. Ferme ton micro, tu partages. Maintenant, ceux qui sont en bas, tapotez, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en bas, vous tapotez. Pour ceux qui sont déjà sur le panel, vous partagez. Parce que ceux qui sont déjà sur le panel n'ont pas le droit de partager. Si vous partagez, la visibilité va se réduire. Donc ceux qui sont en bas, c'est eux qui tapotent. Et vous qui êtes en haut, vous partagez. Oh, c'est grave ça, c'est grave. Oh, putain. Ah.
Béni de Dieu. Ouais. Levez Bédos. Non, il faut partager, il faut pas tapoter. Ouais, mais tu sais pourquoi ça t'est arrivé hier, t'ai dit. Quand tu étais en bas tout à l'heure là, tu étais en train de falloir. La fumée elle est montée un coup comme ça. Ah ouais, c'est ça aussi, oui. Non. Ouais, ouais. Donc aidez-moi, ferme ton micro et puis tu partages. Faut pas tapoter, tu partages. Pourtant, habituellement, je parle long, calme, non. Mais ça m'arrive pas, c'est ça qui est bizarre. Voilà encore un autre signalement. Ouais. Quand on a coupé le live là, elle est partie sur le live des Algériens. Pour aller nous insulter là-bas. C'est trop. Ah, je lui ai envoyé des messages pour monter sur mon live. Attends. Ouais, ça, c'est quoi encore son compte? Elle est maintenant sur le compte Insidus là.